Chaque année, au printemps, des centaines d'agglomérations, de villes et de communes françaises se mobilisent sous l'égide de la Fédération française de cardiologie à travers les parcours du cœur afin de faire reculer les maladies cardiovasculaires. À Hondres, la commune a organisé son troisième parcours du cœur. L'année dernière, nous avions proposé justement un parcours d'orientation qui avait plu aux participants. Donc du coup, cette année, on a décidé de remettre en place cette formule. Apparemment, d'après les retours des gens, du coup, ça a plu de nouveau. Je pense que pour l'année prochaine, on changera la proposition et qu'on partira sur un autre concept. Donc en fait, l'idée de la journée, c'est de proposer aux participants une animation sportive simple, mais qui leur permette de pratiquer entre une demi-heure et une heure de sport. Voilà, parce que il est conseillé par la Fédération française de cardiologie de pratiquer entre une demi-heure et une heure d'activité physique par jour. Par petits groupes, seuls, en famille ou entre amis, une trentaine de participants sont partis carte en main sur les voies vertes de la commune à la recherche des 5 balises du parcours. On a marché, ben on a trouvé des balises et on a scotché. Comment on dit ? Poissonné. Poissonné ? Moi j'ai trouvé que c'était très bien, mais moins de goudron, ça aurait été mieux. Très agréable, et puis l'occasion de rencontrer aussi d'autres personnes, c'était très sympa. Très très bien, c'était bien organisé, on a fait des petits groupes selon notre rythme. C'est la troisième année que je participe à la marche du cœur. Le parcours était très facile, il était à la portée de beaucoup de gens, dont des familles avec enfants qui participaient. Non, il n'y avait aucun souci, ça se passait en forêt et sur la piste cyclable. Très bel après-midi, à recommencer, à refaire. Pourquoi je participe ? Parce que pour la bonne raison qu'il y a le 6 février 19, donc il n'y a que 2 mois, j'ai été opéré d'une valve aortique. Donc ça s'est très bien passé. J'ai fait 4 semaines à Cambo. Et là, bon, il faut que je marche, il faut que je fasse du vélo, il faut que... Voilà, alors j'ai vu ça sur le journal. Je me suis dit, ça c'est bon pour moi. Parce que bon, voilà, l'occasion de participer, voilà. Chacun a son rythme, c'est bon tout aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a une personne qui a décidé de le faire en courant parce que ça lui faisait plaisir de le faire en courant. Il y a 2 jeunes qui sont venus le faire en vélo puisque c'était de toute façon accessible par la piste cyclable. Donc voilà, tout le monde a été content, tout le monde s'est fait plaisir et puis tout le monde s'y est retrouvé. L'an prochain, Hondres organisera un nouveau parcours du cœur sur un nouvel itinéraire pédestre. L'occasion donc de découvrir un nouveau chemin de promenade et de marcher pour son cœur.